Nous avons exploré ensemble un aliment miraculeux qui prend une place de plus en plus importante dans la vie de tous les habitants de notre monde, et ceci, quel que soit le continent. Ses qualités étant exceptionnelles pour la terre et pour l'homme, cet aliment est connu comme le soja. Selon la classification des espèces végétales, le nom scientifique du soja est Glycina max, mais on le connaît mieux sous son nom populaire de soja jaune ou tout simplement soya. Un trésor pour les végétariens, cette source infinie d'éléments nutritifs est probablement une des solutions pour enrayer la sous-alimentation dans le monde. Plante légumineuse annuelle, voisine du haricot, cultivée pour ses graines oléagineuses, sa culture est très ancienne. Aujourd'hui, l'île Maurice connaît une culture du soya sûre et certaine qui semble nous surprendre un peu, car cette culture était presque inconnue à Maurice il y a quelques années. Le soya, c'est un grain sec, mais d'une façon, disons, il est plus bon que les autres grains secs. Et si nous guettons soya comme un aliment, environ 40% dans un grain de soja, c'est protéines, environ 15% c'est ben, hydrate de carbone, c'est ben, du sucre lent, 15% ben, de fibres, 20% d'huile, et bien sûr 10% un peu de l'eau. Donc, dans ce sens-là, il y a un aliment qui, disons, donne presque toute la nourriture qu'il y a besoin. Donc, il y a une concentration de protéines assez forte là-dedans, qui, disons, ben, l'endroit où ben, du monde, il y a ben, une carence de protéines, il est très bon comme aliment, et en même temps, il est capable de remplacer la viande. Ces graines, après broyage, donnent un lait qui présente l'aspect du lait de vache et de valeur nutritive comparable, si bien qu'on peut en faire un fromage. Une fois les fèves imbibées d'eau, on retire l'écorce et les fèves sont pressées et ensuite chauffées. Le résidu, ou okara, est enlevé et on obtient ainsi le lait de soya. La première étape de la fabrication du tofu est identique à celle du lait de soya, à ceci près que le lait doit être plus épais que celui à boire. La première pression est toujours la meilleure pour obtenir un lait bien épais. Après avoir fait chauffer le lait de soya jusqu'à frémissement, on procède à l'étape suivante qui consiste à faire cailler le lait. On voit un caillé blanchâtre se former. Lorsque le caillé est formé, on enlève le liquide restant, le petit lait, à la louche. Ainsi, le caillé est égoutté et débarrassé de son petit lait, égouttage qui se fait aussi à l'aide d'une mousseline quand le théocone se fait à la maison. En outre, plus l'égouttage se prolonge, plus le tofu est ferme et compact. Le lait mélangé au coagulant est ensuite mis dans des grands moules pour être transformé en tofu.
Parfois, on presse un maximum dessus afin d'extraire l'eau du tofu. On laisse reposer entre 15 et 30 minutes selon la fermeté désirée. Et voilà, le tofu est prêt à être découpé en cubes. La dernière étape de cette préparation est de faire bouillir à nouveau les cubes du tofu avant de les placer chez les revendeurs. Cette merveilleuse légumineuse est un trésor pour les végétariens et une des solutions pour enrayer la sous-alimentation dans le monde. Source infinie d'éléments nutritifs, le théocone coûte peu mais rapporte beaucoup.